je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Action. Ça fait un petit moment que j'avais pas été chez Action. J'avais acheté juste des 2-3 babioles dernièrement que je vais vous montrer en premier. Et là j'y suis retournée pour des choses en particulier. Je m'en suis quand même sortie avec 37 € comme d'hab. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à cette vidéo si ce n'est pas encore fait. J'ai pris une grosse caisse que je vous montrerai à la fin pour mettre tous les vêtements de la petite. Tout le 1 mois, 3 mois qui lui vont plus. Et bientôt 6. Voilà, pour pouvoir conserver, enfin conserver, ouais, tous les vêtements. J'avais pris du coup au moment de Noël, mais je vous montre du coup maintenant, des chandeliers comme ça. Je cherchais des chandeliers dorés, malheureusement il n'y avait pas. Il y avait noir avec le doré, mais doré cheap, donc j'ai pris noir mat. Je voulais les bomber en doré, mon chéri m'a dit oh non. Donc en fait il y avait 3 tailles différentes. Je m'en suis servi que de 2. Je vous ai gardé celui-ci. Je crois que c'était... ouais, c'est le plus haut celui-ci. Bon, pour vous montrer. Par contre, ils sont très solides et tout. Mais c'est pas ça que je recherchais. Mais bon, écoutez, j'ai quand même pris. C'était 7 € et quelques. J'avais pris ce petit bandeau comme ça, vous savez, avec le gros nœud pour mettre quand vous faites vos soins ou quoi. Moi, j'utilise ça à chaque douche quand je me lave pas les cheveux. Comme ça, je remonte mes cheveux pour me laver le visage. Et j'en ai un rose que j'avais eu chez Primark qui est très bien. Mais celui-ci à chaque fois je le voyais passer, du coup j'avais envie de le tester. Vous avez souvent plein de couleurs, j'aime trop le packaging en fait. Vous avez souvent, en plus c'est un truc refermable et tout. Et en fait celui-ci il est super doux et franchement j'aimais bien l'effet un peu léopard comme ça. Et ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil, donc écoutez je l'ai pris, il est trop trop doux. Et j'avais pris aussi, j'allais pour ça, donc on a pris un grand cadre, bah, qui est là d'ailleurs, je vais vous montrer juste après. On a pris plusieurs petits cadres et du coup j'avais pris des albums photos en fait pour la petite, parce qu'on a imprimé toutes les photos. J'ai pris celui-ci, alors celui-ci à la base ils vous mettent scrapbooking, puisque du coup c'est écrit Oh Baby comme ça. Vous pouvez en fait, je sais pas si vous allez voir, vous avez des pages lignées, vous avez des pages avec vous voyez des étoiles. Encore des étoiles, des pages vierges. Enfin après vous faites comme vous voulez. Moi j'ai hésité à le prendre. J'ai vraiment hésité longtemps. J'ai vraiment longtemps hésité. Puis je me suis dit bon je prends quand même, comme c'est écrit au baby, du coup blanc et doré. Et j'ai pris 2 albums photos comme ça que j'ai même pas encore ouvert, vous voyez. Donc celui-ci, bon c'est pas forcément ce que je préfère, mais bon je l'ai quand même pris. Comme il était rose avec le nœud rose, je trouvais ça joli pour la petite forcément. Il est comme ça. Vous avez 64 pages. Et ensuite j'ai pris celui-ci. Bon il est pas moche, c'est pas ce que je préfère hein, sincèrement. C'est écrit Memories et vous avez du coup le nœud doré au bout, tacheté comme ça. Ensuite alors on avait pris, je crois que je vous avais montré la dernière fois les gros cookies avec la pâte à cookies. Je ne les retrouve jamais, enfin les friandises comme ça. Et du coup j'avais trouvé celui-ci ensuite. Je m'étais dit c'est peut-être la même chose, donc j'en ai acheté 2. Et en fait je vous avoue que je suis un petit peu déçue. C'est pas ouf. Vous avez 2 sortes de boules comme ça. Franchement Sunday Caramel Crunchy en fait, oui dedans c'est ça croustille. Vraiment pas ouf. Je suis trop trop déçue. Bon je vais les manger mais Et alors là la grosse déception, j'ai pris cela. Alors vous avez Limoncello aussi, moi je déteste le citron. Mais il y avait Stracciatella, je me suis dit oh, ça va être trop bon et tout. Donc parce que c'est écrit croquant enrobé de chocolat blanc et de morceaux de chocolat. Et au final j'aime pas du tout, même mon chéri il a pas aimé. Bon il va quand même les finir, il m'a dit mais franchement trop déçu. Et pourquoi je l'ai acheté par 2 vous allez me dire? Parce que chez Action, bah, comme les cookie dogs, vous les retrouvez des fois jamais. Et quand vous adorez, bah, vous êtes déçu. Et au final, bah, là, ça fait l'effet inverse. J'ai acheté, et je l'ai laissé en bas, une petite huile essentielle. Bon, je vous montre le packaging. De toute façon, vous allez retrouver facilement. C'était un petit flacon en verre d'huile essentielle. Hein, je pense que tout le monde connaît. Et j'ai pris à l'Ylang Ylang. Et j'avais vu en fait que ça avait des vertus... déstressante etc, l'Ylang Ylang. Et c'est pour, vous savez, mon diffuseur à flamme que je vous ai montré la dernière fois, puisqu'on en avait, mais moi je voulais une vraiment que j'aime on va dire. Et j'avais entendu que celle-ci était bien et en effet elle est très bien. Au début ça a coulé trop vite, j'ai eu au moins 5 gouttes à la première utilisation. Et ça sentait très fort, mais ça sent très bon, franchement j'adore. Et c'était pas dans le rayon bougie, étonnamment c'était dans le rayon style un petit peu, vous voyez, où vous avez les tests de grossesse, les choses comme ça un peu juste à côté. On a repris des pastilles pour le lave-vaisselle. Je vous avais dit avant je prenais ceux en sachet rose. Malheureusement on les trouve plus depuis longtemps, je suis dégoûtée, ils étaient top top top. Là bon maintenant on a ceux-là, franchement ils sont pas mal non plus, hein, y a pas à dire. Vous aviez classique et là les jaunes c'est all in one.
Donc je sais pas, tout est compris dedans. Apparemment vous avez 44 tablettes. Bon, je préférais les roses, mais tant pis, malheureusement. Ah oui, j'ai oublié, j'ai trouvé ça. Du chocolat au lait avec des noix de macadamia à l'intérieur. Alors celles-ci, je crois que je les ai jamais vues. Elles ont l'air d'être vraiment terribles. Elles étaient un petit peu plus chères parce que c'est édition spéciale. Puisque la noix de macadamia, c'est assez cher. Ça, c'était 1,99€ apparemment. Ensuite, je les ai trouvées. Je suis contente parce que je les avais vues passer pour l'apéro. En fait, c'est des snacks sains, on va dire. Puisque là, du coup, c'est paprika, Nutri-Score B, pas de gluten, machin. Et c'est des choses un peu genre riz soufflé. Là, pour le coup, c'est du riz soufflé. Et c'est creamy onion, vous voyez. Ça a l'air trop bon, c'est hyper léger. Et ça, si je dis pas de bêtises, il y en avait un à 85 et l'autre au riz à 95 centimes. Ensuite, on a pris ça, ça fait longtemps que je les vois. Et bah, comme on adore le nougat, apparemment, ils sont super bons ceux-là aussi. Donc on a pris ça, c'est la même marque que mon chéri la dernière fois avait pris les caramels au beurre salé là. Ça, c'est 1,19€. Ensuite, on a repris ces petits pochons là pour nous, on s'en sert pour congeler. Franchement, ils sont top, ils sont de super qualité. Vous avez en fait deux tailles comme ça, vous voyez, 25 et 25 au niveau des tailles. Et c'est bah, les sachets zippés, mais vraiment ils sont vraiment de bonne qualité. Donc vous voyez, vous avez des 1 litre et des 3 litres. Et moi je m'en sers pour conserver et surtout pour congeler. Et c'est que 1,99€. Ensuite mon chéri a fait le plein, je lui ai dit de faire le plein parce que c'était en promo de la semaine. C'était 1,45€ et si je dis pas de bêtises, c'est peut-être 1,49€ d'habitude. Elles sont super bonnes, celles-ci, c'est des nouilles chinoises mais qui sont déjà cuites en fait. C'est pas les nouilles chinoises instantanées. Et ça, franchement, c'est trop trop bon, ça fait 250 grammes. Alors des fois, il vous faut quelque chose à côté pour mieux vous caler. Mais donc les bleus sont pas du tout pimentés et les roses sont au saté, vous avez un piment. Vous avez aussi les violettes qui je crois sont un peu plus pimentées. Mais ça on adore et c'est vrai que oups, mon chéri pour le boulot les prend tout le temps. J'ai pris puisque chose à ne pas faire, j'avais faim et en fait en sortant je voulais en prendre un. Et vous voyez c'est même pas ouvert, je suis partie chez Zeman et du coup j'ai oublié. C'est les fameux sneakers au beurre de cacahuète que j'adore à 2,25€. Et ensuite mon chéri s'est pris ça. Alors moi je sais que j'aime pas des mellow cakes. Vous voyez, de toute façon vous voyez très bien, c'est genre le, comme le, j'allais dire le chamallow là à l'intérieur, mais avec le Milka, mais moi ça j'aime pas. C'est 1,49€. Ensuite pour 1,29€ il s'est pris des popcorn. Alors je lui ai dit prends des salés parce que souvent on en prend pour l'apéro, c'est un peu devenu notre kiff. Et je lui ai dit attention, ils sont au caramel salé. Bon lui il avait très bien vu. Moi je pense pas que je vais aimer, mais lui du coup bah, il adore ça. Donc là il va tester, je pense qu'il a jamais testé d'ailleurs. Vous avez salé, sucré ou caramel beurre salé. Ensuite j'ai repris ce spray là que j'adore. Il était en promo de la semaine aussi, c'est pour ça que je l'ai repris. La dernière fois quand c'était en promo j'avais repris le rose que j'ai d'ailleurs pas encore entamé, que j'adore. Et en fait le bleu, alors clairement il sert à rien on va dire. C'est pour du coup la salle de bain. Franchement j'adore l'odeur et c'est juste pour ça que je le rachète. C'est vraiment un spray qui va vous servir pour un entretien régulier, pour dire de sentir un petit peu bon dans votre salle de bain. Mais clairement si vous avez du calcaire, c'est vraiment pas ça qu'il faut utiliser. Il est pas du tout utile pour ça, faut le savoir. Je le sais, mais je l'ai quand même racheté parce que vraiment j'adore l'odeur. Quand je nettoie ma salle de bain, par exemple derrière je vais me laver les dents et tout, ça sent trop bon. J'aime vraiment beaucoup, tout comme le rose. Par contre le rose je le trouve vraiment efficace pour les surfaces. Mais voilà, du coup je suis faible, je l'ai repris. Faut savoir que là il était à 1,29€ en promo. Et avant, à l'époque, avant toutes les augmentations, ils étaient à 1,19€ en prix de base. Et je crois que maintenant ils sont à 1,49€. De toute façon, vous le savez, Action a augmenté comme tout de toute façon. J'ai repris deux savons au fiel de bœuf de la marque Mariette là. C'est leur petite marque un peu, vous voyez, style vintage, les produits comme ça. J'avais du bicarbonate de soude aussi de cette marque. Et je cherche depuis des mois le percarbonate de sodium, je crois. Et je ne le trouve jamais, ils le font plus, ou du moins en tout cas plus chez moi. Et j'arrive pas à le retrouver, apparemment ça sert pas mal aussi pour le linge blanc. Donc quand je retrouverai le pot, là, la poudre, je prendrai. Et là j'en ai repris deux, c'est 99 centimes un seul, ça coûte rien et ça détache très bien. Puisque moi, ma fille est allaitée et du coup les cacas d'un bébé allaité, c'est pas les mêmes cacas qu'un bébé qui est au biberon artificiel. Enfin au lait artificiel. Et du coup c'est très liquide et c'est hyper explosif. Je sais pas vous, dites moi en commentaire, mais moi ma fille quand elle fait caca vous l'entendez de toute façon. Et vous savez qu'il faut courir à la changer tout de suite, sinon ça fuit si c'est pas déjà trop tard. C'est un truc de fou et pourtant on a essayé plein de marques de couches.
que ce soit de la Pampers à la Lidl, croyez-moi que ça fuit avec tout. Et souvent en fait c'est dans le haut du dos que ça remonte. Là on en a trouvé d'ailleurs au passage des biens chez Leclerc qui sont en fait resserrés en haut. Bon bref, tout ça pour dire que dès que vous frottez tout de suite, vous frottez bien, vous mouillez bien, ça part direct les taches, donc c'est vraiment top. Pourtant j'ai aussi du vanish et vous voyez j'ai utilisé du vanish, bon pas tout de suite mais après, et la tache est pas forcément bien partie, donc vraiment celui-ci c'est le meilleur, donc j'en ai repris deux parce que clairement le premier est bientôt fini. Et j'ai pris ça parce qu'en fait j'ai vu une fille qui avait acheté ça et qui avait acheté en plus un petit bougeoir genre à bougie et qui avait mis ça dedans pour mettre dans ses toilettes, et je me suis dit tiens que ça allait être pas mal parce que c'était assez, assez joli en fait. Donc de base vous l'ouvrez simplement mais c'est pas très beau. Il y avait plusieurs goûts, je crois qu'il y avait rose, bleu et tout. Moi j'ai pris du coup le vert qui est en fait au White Lily, c'est je sais plus, je crois que c'est, enfin j'allais dire jasmin, c'est pas jasmin mais bon c'est une fleur blanche, alors c'est très délicat, j'espère que ça va quand même sentir quand on rentrera dans les toilettes. Et je vais faire comme elle, je vais trouver un petit bougeoir parce que j'en ai plein. Donc voilà, ça c'était pas cher, hein. C'était 99 centimes vous voyez. Et du coup pour ce qu'il en est de la caisse, j'ai pris une énorme, du coup j'ai pris une 80 litres. Elle fait 59 par 39 par 44 au cas où, et elle est vraiment immense. Alors j'ai pris celle-ci avec les petites roulettes, le couvercle est comme ça et sur le côté vous remontez pour fermer. C'est pas forcément les plus costauds on va dire, il y a aussi ceux où vous refermez carrément les clapets, et en fait je crois que c'était le même prix mais il n'y avait pas en 80 litres pour les autres, donc j'ai pris avec ce couvercle là comme ça. De toute façon logiquement après une fois que c'est dedans vous l'ouvrez pas tous les 4 matins, donc j'ai vraiment pris la plus grosse pour être tranquille. Et ça du coup c'était 10,95€. Je vous montre rapidement, du coup il y a la photo qui n'est pas encore dedans, faut qu'on le fasse. J'avais acheté du coup ce cadre là pour nous, alors j'ai pris un assez simple, le bord est mordoré comme ça en fait, mais vous voyez pas à la caméra malheureusement, il est, ouais, il est vraiment mordoré, il n'est pas tout à fait doré. Et du coup voilà, donc nickel pour notre photo. On l'a imprimé en grand, bon je pensais que ça ferait encore plus grand, en fait c'est pas si grand que ça, mais bon ça va quand même. Voilà, j'adore cette photo de ma grossesse et du coup voilà, je pense que ça ira dans notre chambre. J'allais oublier, j'ai acheté chez Zeman deux petits serre-têtes comme ça. C'est clairement pas pour maintenant, surtout celui-ci, mais voilà, je sais qu'il y en a et que je trouverai sûrement plus tard, donc j'ai pris de l'avance. Ça m'arrive souvent d'acheter des trucs comme ça en avance. C'est un serre-tête licorne, du coup il était à 2,19€ et franchement j'adore, rose gold comme ça, ici c'est tout holographique. Franchement j'adore, donc ça sera pour plus tard. La dernière fois aussi je ne vous ai pas montré, j'avais acheté des petits trucs de déco licorne chez La Foire Fouille, mais je sais même pas où j'ai mis ça, j'ai dû mettre dans sa chambre. Et ça par contre, alors ça on est pratiquement sûr que ça va lui aller très rapidement parce que ma fille a une bonne tête et il est assez petit, mais alors franchement quand on l'a vu, même mon chéri m'a dit prends-le, c'est trop mignon. C'est tout ce que j'aime moi, vous savez, j'adore l'effet mouton, les petites oreilles comme ça et tout. C'est clairement pour faire des photos, hein. Et ça du coup c'était 1,39€, pareil chez Zeman. Franchement j'adore. Donc voilà pour mes petits achats, derniers achats. Je vais plus trop en ce moment chez Action. Bon j'y suis allée pas mal, hein, auparavant, j'ai pas mal dépensé d'argent. Et je trouve qu'en ce moment il n'y a pas grand chose, donc tant mieux pour mon porte-monnaie. Et puis j'y vais plus trop tout simplement. Là j'y allais vraiment pour la grosse boîte. Et au final vous voyez il y a beaucoup de nourriture en fait, il n'y a pas d'autre chose superflu on va dire. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme toujours à mettre les pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos, et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.